Bonsoir mesdames et messieurs, journal Haïti en avant, bien content d'entrer la CAO pour jeudi lundi 25 mars 2024 là, côté nous pral porter information pour nos bon petit mamite. Mesdames et messieurs, mais quel un grand point qui pral dominer actualité à pour jeudi à. Dans actualité nationale, un groupe bandit qui était attaqué un groupe policier, malheureusement plusieurs agents police victimes pendant attaque si là. En pile monde continue à tomber à cause insécurité a, nèg boulé plusieurs machines avec marchandises au niveau du capital là hier dimanche là, zami internet bagaille vraiment triste. Dans actualité internationale, la première dame au pays Kenya qui pral prier pour policiers kenyans avant yo atterri en Haïti. Yon lot bord gen autorité dominicaine yo ki pren yon gros décision contre passager haïtien qui pral prend avion la kayo pour yo aller aux États-Unis. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça divers lot nous pral pote pour red branché n'a retourné ak développement journal. N'a tout entré dans information yo. Bien bonheur, jeudi lundi 25 mars 2024 là, un groupe nèg exam qui était attaqué une machine qui était gen simuladan dans zone Kafoudouya. D'après ça, quelques médias rapporté, il y a plusieurs nan agent police sa yo qui sont blessés pendant attaque si là. Selon information qui rive joen nous, pendant incident ça, il y a un policier qui rele Joveni Duplan qui perdu la vie pendant action ça. N'a fois qu'on est force de l'autre sa yo te non machine privée en civil pendant asso sa. N'ap avancé à information yo, mauvaise nouvelle pour secteur presse là, yon jeune journaliste qui rele Nerval Pierre Villiat que tout moun connaît sous Nerval le Sage qui mourir jou qui te dimanche 24 mars là dans l'hôpital La Paix qui dans zone Delma 33. Mesdames et messieurs, journaliste qui tap travail pour Eco News dans parti sport te recevoir un balle perdu dans vente li jeudi 21 mars passé a pendant li te trouvé le bol à Kaili dans zone Delma 19. Zami internaute sorti dans mois janvier pour arriver dans mois mars là, gen plusieurs moun qui perdu la vie yo ak phénomène balle perdu a. Des fois balle la sorti bien loin la atterri dans l'autre zone, sortant de ya li fait un pile dégâts. N'a pas rappelé c'est mettre corps qui veille corps abriter nous l'entendre bruit ka tout ça. Toujours dans le dossier insécurité, il y a Stevino Jérôme qui est un joueur qui a évolué dans l'association sportive Cavalli. Zami internaute citoyen ça a perdu la ville hier dimanche 24 mars là pendant l'étape danser dans une bonne rara qui est le chien Michan dans la ville Léogana. Malheureusement, pour jeune garçon ça, il recevait un coup de couteau dans le dos malgré qu'il était couru dans l'hôpital Sainte-Croix avec elle. Il n'a pas été subi intervention chirurgicale. Mesdames et messieurs, ancien footballeur Cavalier succombé en bas blessure. N'a pas poursuivi en information à cause insécurité qui a ravagé pays d'Haïti depuis 5 mars 2024 là, gen CPS là qui pas recevoir aucun bateau étranger qui porte marchandise. Mesdames et messieurs, situation humanitaire yo gen chance aggravée dans jou ka vini yo là parce que ka gen un manque de produits au niveau de capital là, nan sa tout moun kon habitué consommer. N'a praplo depuis nan commencement wa mas la, nèg exam yo te pillé en pile marchandise dans CPS là, ça qui ka augmenté crise alimentaire nan pays a. Yon l'autre bord après parti aidé raid compromis historique te décidé changer nos dirigeants yo qui c'est Marie Giselaine mon premier pour te remplacer par Dominique Dupuy qui c'est représentant Haïti dans UNESCO. Zami internaute yo fait un troisième changement dans parti ça yo côté yo mette ambassadeur Smith Augustin comme représentant tous les trois organisations politiques ça yo. Yo voye yon lettre by CARICOM hier dimanche pour yo confirmer choix ça. Monsieur Smith, c'est un étudiant doctorant en sociologie, li c'est un spécialiste dans problème politique ak social dans Amérique latine à Caraïbes là. Il était passé comme ambassadeur pays d'Haïti dans pays République dominicaine sorti 2020 pour arriver en 2022. N'a avancé en information, gen groupe gang yo qui continue à faire des blousailles dans capitale là. Pendant mon a couru en babal, mesdames et messieurs, l'autre bord guinèg exam yo qui continue à piller en pile marchandises di machin yo possédé dans travail dit. Mauvaise nouvelle là, zami internaute, individu mal intentionné ça yo boule tout ça au jeune sous passage yo. Jou ki te dimanche 24 mars 2024 là, sac pitris là tout matin là, en pile coup de balle tap tiré dans espace ça yo.
Correspondant nous depuis la région métropolitaine Port-au-Prince, pour permettre nous suivre comment ça te. Tout dégâts, il y a un pile de dégâts qui fait. Allez, tout parti ça a coulé net, depuis que parti de la Réunion, c'est nourri. Ça a tout boulé net. Elle m'a rien pour faire encore. Allez, c'est ça. Oui. Elle a nous posé nous-mêmes, nous parti mécanique, ça a même été fait. Et camion et sac que des temps retirés là, mais tu fais les gens ils viennent pour eux. Ah, nous faisons pile pète là. Oui. Mais pas des gens qui mourent et les dégâts qui sont faits. Je ne sais pas si des gens qui mourent parce que c'est un pays d'Haïti, un pays comme ça. Les gens qui mourent, pas un juge de paix pour retirer les tout, mais tu fais là, je ne sais pas si ça mourent, ça ne va pas mourir. Dans le dossier politique, il y a un militant, Rosemont Jean, qui c'est un jovenéliste qui décide de sortir dans le silence li sous cause installation conseil présidentiel là qui t'a supposé installer dans le jour qu'a venu là côté li dénoncer en pile politicien qui voulait prendre assaut sous tête peuple pour faire tête au plaisir. Toujours dans la capitale pays, un journaliste nous qui c'est Junior Jean, pour le faire suivre plus de détails. On questionne ça, ça y est, ça a même qu'à faire, ça y est, parce que. L'indépendance, nous, souveraineté, nous, en danger. Et c'est tout ça, matin, nous faisons conférence pour nous lancer vibrant avec ça. Avec tout le pays, pour nous dire, la vie, nous, parce que les gens qui ont crié tout le monde, est-ce qu'elle connaît qui ça vient faire après un an, deux ans? Est-ce qu'elle connaît qui mission gouvernement américain, Canada, qui fait après tirer et sortir ça? Il n'y a pas même qu'à ouvrir les portes pour aller, ou c'est l'hélicoptère, il mettez plus, il y a pas de trio. Ça n'a pas dit moyen. Ça va être payant, hein? Nous pas question de ça qu'a planifié là. Eh bien, c'est pour ça, nous-mêmes nous disons, malgré que tu dis, créyoa, va regarder dans le créyo faire, il va aller faire là-dedans. Parce que très souvent, les filles à un côté, il y a des bagages, quatre défaites, ou un bar de femmes. Il y a quatre garçons pour venir créer, pour venir créer là. Eh bien, sept garçons. Eh bien, nous-mêmes, matin, hein, positionnons-nous, et nous voulons que tout le monde connaisse, en deux créés là, il y a deux mondes qui équipent, Fritjon, je l'agis. Deuxièmement, et quatre membres de la commission, c'est formé la balance qui met du voyo, qui ne veut pas personne interposer, mais pour au fin de l'entrée, il y a une ligne au carré ici pour complot à continuer. Alors que nous tous sommes clair. Qui côté nous est? Qui ça mène nous là? Qui pose nous là? Nous prenons la veille dans la ville au Cap, comme ça a été annoncé, il y a un vol spécial compagnie aérienne son radio qui démarre jeudi lundi 25 mars 2024 là dans l'aéroport international département Nord. Mesdames et messieurs, c'est environ 155 passagers qui prennent vol pour aller dans la ville Miami. Na fois qu'on est, il y a un autre vol qui est programmé pour après-midi là. Dans ce sens, il y a un pile monde qui dans programme Biden nan, qui content jouer une chance ça pour déplacer quitter Haïti. Vous connaissez déjà, nous si Haïti en avant, yon nan pi gros média qui toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, nous traversé avec les voisins, mesdames et messieurs, Haïtiens qui habitent aux États-Unis, qui trouvent actuellement en Haïti, pas gain autorisation passée en République Dominicaine pour yon rentrer kay Tonton Sam. D'après journal Miami Herald, li fè konnen, gouvernement dominicain pa permet pou moun ki gen passeport haïtien entre sous territoire a pou moment. Média précisé, si gen yon moun ki gen yon kat vèt ki an Haïti, li pa ka évacuer par hélicoptère pou li aller nan espace dominicain. Mesdames et messieurs, gouvernement Luis Abinadel nan décidé camper en kwa pou kwape tout haïtien kap essayer passer la kayo pou yo aller États-Unis. Si un message li voye pour nouveau dirigeant qui parle peut-être pays a côté n'a craser la caille nous nous dit n'a voye l'autre pays vinn construire pour nous tandis que voisin qui tout près nous là il a construit la caille mesdames et messieurs il a fait bon bagaille. Non pays Kenya qui première dame pays ça qui c'est Rachel Ruto qui envisageait pour mettre sous place un comité prière
pour prier pour les policiers kenyans qui gagnent pour être déployés dans le pays d'Haïti dans le cadre de la mission multinationale de soutien sécurité. C'est madame président qui confirme une nouvelle ça pendant qu'il était dans l'hôtel Weston qui est dans la capitale Nairobi. Les faits qu'on est, intervention spirituelle est essentielle pour agent police li yo, qui pral rentrer sous territoire haïtien et la bon pour peuple haïtien, c'est déclaration première dame pays Kenya qui c'est Rachel Ruto. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça divers lot qui pral fait essentiel journal la voix de l'Amérique pour aujourd'hui lundi 25 mars 2024 là. Conseil sécurité des Nations Unies a adopté une résolution pour un cessez-le-feu dans Gaza à 14 voix pour et une abstention qui c'est les États-Unis. Attaque sanglante et mortelle dans Moscou vendredi dernier. Dernier chiffre parlait de 137 morts avec plusieurs suspects qui trouvaient en détention. Et puis dans le pays d'Haïti, réaction sur l'ambassadeur Haïti dans UNESCO Dominique Dupuis qui décline choix RED aider à compromis historique pour participer dans le conseil présidentiel transition. C'est pour ça yo avec l'autre nous allons développer pour dans rendez-vous info pour jeudi lundi 25 mars 2024 là actualité dans pays d'Haïti et ben c'est toujours situation était compliquée avec nouveau développement cap sorti mais d'abord nous allons New York dans Nations Unies côté que gon résolution qui prend Conseil sécurité amendé yo cesser le feu dans Gaza pendant mois religieux musulman qui est le Ramadan. Sandra Lemaire gain détail. With those in favor of the draft resolution. Conseil sécurité Nations Unies m'a déposé un cessez-le-feu dans Gaza pendant mois religieux musulman yorélé Ramadan. C'est première fois conseil a mandé pour suspendre bataille. États-Unis étaient abstenus qui donc n'ont pas voté sous résolution hein, qui mandait tout libération tout otage Hamas te prend pendant attaque 7 octobre là dans sud Israël. Cependant mesure pallier demande ça avec cessez-le-feu a hein, pendant Ramadan qui supposé fini 9 avril. Vote là déroulé après la Russie et la Chine t'est posé veto, c'est-à-dire bloqué, une résolution États-Unis t'est patronné vendredi qui t'est appuyé un cessez-le-feu tout de suite dans le conflit israélo-Hamas. Là. États-Unis lancé avertissement pour dire résolution yo approuvé lundi à pour endommager négociation qui a déroulé pour suspendre hostilité. Yo. États-Unis a participé dans la négociation ça yo, ensemble avec Égypte à Qatar. Résolution 10 membres élus. Conseil là gain appui la Russie à la Chine et puis 22 membres conseil groupe arabe non Nations Unies. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu critiquait résolution l'ONU avec États-Unis tout et puis il dit les papes voyaient une délégation replacée rencontrer autorité Washington yo Jean ça te prévoit. La Maison Blanche dit l'idée sûre. We're very disappointed that they won't be coming to Washington D.C. John Kirby, conseiller la Maison Blanche sur question sécurité nationale, dit nous très déçus au pape vin Washington pour permettre nous gain plus bon gens conversation sur alternative viable pour opération Rafah. Ministre défense israélien Yoav Gallant déclaré avant rencontre dans la Maison Blanche avec conseiller sécurité nationale Jake Sullivan lundi que pas gain aucune raison morale pour suspendre la guerre Gaza tout autant otage pour retourner la caillou. Lydie, notre premier rencontre avec Jake Sullivan, moi parle souligner l'importance de détruire Hamas et puis faire otage retourner la caillou. Nous parle opérer contre Hamas tout côté, même côté nous poko wè. Résolution passée avec 14 votes pour et aucun vote contre matin. Pendant visite liée aux États-Unis, délégation israélienne était supposée présenter plan li pour Rafah par responsable à Maison Blanche. Yo. Gain plus passé 1 million Palestiniens qui prend refuge dans ville ça pendant conflit. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis l'autre gros point dans l'actualité internationale, ça, c'est une grosse attaque qui fait c'est tout près de la ville Moscou, dans un centre commercial et culturel. Et dernier chiffre, il parlait de 137 personnes qui ont mouru et plusieurs suspects en détention. C'est attaque côté plus de personnes mouru dans la Russie depuis plusieurs années. Il y a un total de 97 personnes hospitalisées. En plus, le monde dans la Russie a demandé pour l'autorité de punir sévèrement les personnes qui sont responsables pour attaquer ça et qualifier de
attaque terroriste. Pendant ce temps, autorité a examiné des combios pour chercher l'autre victime. Et Premier ministre là, en parlant de Michael Mouchistein, déclaré investigation a continué, mais il s'est menté pour punir tout responsable pour que yo mérité pour yo prendre gros sanctions contre moun yo identifié yo. Et ben yo ta, c'est à moun Tadjikistan que yo accusé d'est-ce que yo ta lancé attaque terroriste. Monsieur ça a été paraître et était comparé plutôt devant yon tribunal dimanche soir côté que moun te kawe yo ak figyo ki kolboso enflé, donc yo ta maspina yo, donc gen yon enquête qui ouvert et n'a suivre pour. N'a pralé nan konya nan actualité a concernant pays d'Haïti, bandi pillé et puis mettait du feu en dans un tribunal de peine à Port-au-Prince hier dimanche 24 mars là. Massiado Vilmé té aloué pour nous. Groupe civil armé qui dit c'est contre gouvernement Ariel Henry a bataille pillé et puis boulé yo parti en dans tribunal section sud dans Port-au-Prince et Jean Gadé à la sous image ou et yo rivé entrer au pillé yo aller avec ça au té besoin et puis yo mette du feu non pas il veut dire tout à quelques mètres palais national puis précisément rue de l'enterrement bandi yo pillé et puis mette du feu dans espace yo vend toute qualité bagay. Victime yo dit nous c'est des bras yo bandi yo cassé. Nous pas ni l'état, nous pas aimer de l'état, c'est seulement sécurité nous mande l'état et puis nous même pour nous chercher la vie nous. L'état ça, il pas ba nous sécurité, en guise ça au lieu de sécurité c'est mettre le mette. Non quoi nous pour détruire nous. Pour faire nous pas capables de vivre. Nous pas capables de dire la vie finie parce que nous avons souffle là. Mais c'est comme si nous avons cassé des pieds nous. Nous mettons nous de côté. Toute victime là, tout le monde qui est social la victime, et ça fait vivre ensemble, c'est détruire nous ensemble. Mais nous avons regardé vivre ensemble, nous essayons pouvoir avec les politiciens, avec les secteurs privés, nous mettons les âmes dans les âmes. Nous avons dit que nous n'avons pas aucun côté pour y aller. À l'acheter ça, puis à l'acheter balle, c'est bayo le vin vanyo. Je dis à eux détruire nous, ça m'a dit là que moi perdu Delco et batterie, inverter, ils détruisent, ils ont des dépôts, ils brûlent tous les deux. Tous les deux brûlés, pillés, brûlés. Je dis à moi qui ai mes balances. Vivre ensemble, on va appeler de la croisée bagay moun. Si vous vivez ensemble, révolution pas faite dans la croisée, révolution c'est l'appel, bagay ou j'ai bagay moun. Révolution ça c'est brûler, la brûler assez. Vous pouvez payer, mon cher. Révolution quand on a brûlé bagay tout malheureuse. Bon côté yo kite côté pou ale an ou a gen le grand nèg yo val nan mouda grand nèg yo c'est malheureux y a détruit assez mouvement ça mais c'est vivre ensemble lancé a pesé lou sou deux secteurs transport en commun en tout d'après sa syndicaliste Deplamanis qui c'est président SOS Transport Fédéré Métropolitain fait connait ça qui a passé a li détruit secteur transport complètement l'on garde là côté nous gon paquet machine qui boulé en dedans station paralysé. L'orgade portail le organ nou pa gen station encore. Ou ap gade ki quantité machine yo boulé pour secteur transport. Lo ale en bas mon cabrit ou ap gade yo boulé plus que 4 autobus pour nous. Les nou ale au niveau des verrettes des âmes, nou gen 6 camions côté Lixon avec malfroi pareil yo té boulé pour madan Sarayo. Je dis c'est ça que fait nous-mêmes au niveau des secteurs transport. Nous demandons toute couche sociale là pour nous chita ensemble, pour nous joindre un consensus au niveau du pays. Parce que je dis à nous-mêmes, au niveau des secteurs de transport, nous n'avons pas qu'à supporter. Face à la situation, observateurs ont reproché à acteurs politiques qui refusaient d'entendre pendant le pays a effondré le pays. Et pour jeudi lundi 25 mars, là, moun capable d'entendre un coup de balle qui a chanté dans la direction sud capitale là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Créole. En parlant de regroupement politique, il y a toujours un suspense concernant installation collège présidentiel de transition. Et c'est comme ça tout que regroupement politique tant qu'au aider Red à compromis politique. Il y a même envoyé ambassadeur Smith Augustin pour aller siéger dans le conseil présidentiel transition après que Madame Dominique Dupuy, eh ben lui-même lui fait retrait. Bonjour Toussaint, c'est correspondant à nous dans Port-au-Prince. Ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, Smith Augustin, ses nouvelles personnalités, regroupement politique et des raids à compromis historique désigné pour remplacer Dominique Dupuy, qui retire l'école dimanche 24 mars 2024 dans le conseil présidentiel transition à cause menace la mort, l'idée la recevoir dans main inconnue à pression comme quoi
Lipoko gen 35 l'année. Non Smith Augustin déjà al joindre CARICOM officiellement pour le capable éventuellement al siéger dans conseil présidentiel là et l'a cap participer tout dans rencontre CARICOM yo notamment rencontre qui lié à statut avec mission conseil présidentiel là. Conseil présidentiel là composé kounia avec Edgar Leblanc fils, Leslie Voltaire, Smith Augustin, Fritz Alphonse Jean, Laurent Saint-Cyr, Louis Gérald Angile et Emmanuel Vertulaire, environ une quinzaine de jours après annonce démission Premier ministre Ariel Henry, CARICOM acteur politique haïtien et société civile Pokoka rend fonctionnel Conseil présidentiel transition. La rencontre qui était prévue pour samedi 23 mars 2024 pas gain gros avancé qui fait par rapport à l'objectif qui était fixé. Parmi trois points qui étaient dans l'ordre du jour, seule question doit vote même conseil présidentiel qui était abordé et adopté samedi 23 mars passé. Si majorité a décidé, seuls sept membres réguliers qui ont droit vote, tandis que gain de l'autre observateur. Samedi, même conseil te travaille tout sous mécanisme choix président conseil. Dans la prochaine rencontre là, conseiller présidentiel yo a travaillé notamment sous mécanisme choix premier ministre cap gagné pour remplacer officiellement Ariel Henry dans tête primature là. Oui dans tout ça pour VOA Creole Port-au-Prince. Et bien situation politique là fait que aéroport international là dans Port-au-Prince toujours été fermé pendant que vol international reprend jeudi lundi 25 mars là dans aéroport au Cap là dans direction Miami. Gérard Maxino, gain détail. De plus que 155 passagers qui étaient sortis ici dans ville cap haïtien qui étaient embarqués à bord vol spécial ça que Sunrise réalisé à partir de l'aéroport international cap haïtien jeudi lundi ça. D'après plusieurs passagers qui étaient parlé à VOA Creole, depuis commencement crise hein, ils ont été quitter pays hein, mais ils ont pas de capable. La fête de voyage depuis 1er mars. Mais on connaît un jeune pays là, pour ne pas de vol, on est obligé de prendre un bus vino cap et puis tout. Dès qu'on voyage là, quand j'ai dit mes potes, le cap là a prouvé. Parce que nous depuis le début du mois, nous sommes déplacés. Donc on va imaginer que nous avons aujourd'hui à combien. On prend plus de temps. Il y a quelques jours. Depuis le président Ariel Devin pas manqué stable dans le pays, et depuis le ça. Passagers ont déclaré Haïti n'a pas aucun avenir. Tout le monde qui vit là-dedans menacé. Il fait qu'on est, il n'a pas regret, il a quitté le pays d'Haïti. On prend en sécurité vraiment. On crise dans le pays, pas un président. Ça veut dire qu'on n'a pas qu'à être barré comme si nous avons envie de vivre, nous ne sommes pas capables. Nous sommes obligés de déplacer pour nous aller. Après ça, pour nous retourner dans le pays jusqu'à ce que nous ayons stabilité. Je dis que dans un moment là, je suis content que je quitte le pays parce que je suis venu pour jeune là encore. Le pays a bon, tout le monde a pris des affaires, tout le dirigeant a pris des et tout. Après, je suis personnel. Je suis content que je quitte le pays. Majorité volio reprend dans l'aéroport international cap haïtien. Sunrise commencé matin lundi 25 mars 2024 avec vol spécial cap haïtien au CAI. C'est seulement vol. Cap Port-au-Prince qui pourrait reprendre dans l'aéroport international cap-haïtien. Gérard Maxino, VOA Creole, cap-haïtien. Merci Maxino, nous toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Gouvernement annoncé à partir de jeudi lundi 25 mars 2024 là que tout policier et personnel administratif gain accès pour encaisser chèque dans n'importe qui banque dans le pays. Donc capable et aller et prendre cob bay chèque là prendre cob Yves Manuel. En raison de insécurité captaille banda dans centre-ville Port-au-Prince, agents et personnel administratif police nationale d'Haïtien a fait face à en pile difficulté pour encaisser chèque paiement yo dans Banque République d'Haïti. Dans l'idée pour résoudre problème ça, gouvernement annoncé désormais tout policier et personnel administratif gain possibilité pour encaisser chèque yo dans n'importe qui banque en d'un pays. Décision ça a entré en vigueur à partir de lundi 25 mars 2024. Coordonnateur syndicat national police haïtien fait qu'on est gain plus passé 90% agents dans PNH qui a fait face à problème ça qui montrait situation pas petit.
Dans un contexte crise généralisée, côté policier, yo, jwenn an pile demande, li impératif pour jwenn un moyen pressé pour aider famille. Selon ça, policier a fait connait pendant saluer décision ça. Bon côté gouvernement. Nous pensons que c'est une décision sage que le ministre la prend, et parce que nous avons un contexte qui est extrêmement difficile, et c'est le côté que yon moun ou ap travaille dans l'État ou te gen accès pour changer chèque ou c'était dans BRH, et nous connaissons que dans quelles conditions BRH est actuellement là. Et nous avons toujours posé tête nos questions pour qui ça. Nous c'est des employés de l'État, nous travaillons dans l'État, l'État paye nous, et puis tout pour limiter nous avec chèque nous, que nous pas qu'à changer, même à travers BNC, qui c'est en banque tout, nous capables de dire que c'est pour l'État que lié. Donc, nous, même au niveau Singapour, c'est une décision qui sage, qui prend là. Police nationale d'Haïti a multiplié actions contre Gagno depuis plusieurs semaines dans la région métropolitaine. La Boule, Pétionville, Bristou, Delma, Chanmas, PNH, là, qui jouent une bourrade population à affronter bandit. Capitale haïtienne qui est transformée en affrontement entre policiers et bande armée, levé journée lundi avec un calme apparent, tandis que le gouvernement prolongé jusqu'à mardi cap vini là, couvre-feu dans la capitale, dans le cadre d'état d'urgence li décrété depuis 6 mars passé dans le département de l'Ouest. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. L'autre point dans l'actualité, ou toujours sur VOA Créole, ou suivi un programme dans la langue créole haïtien. Autorité dominicaine a annoncé yo pas campé déportation haïtien qui vivent illégalement sous territoire. Jean-Robert Philippe, qui s'était envoyé spécial VOA Créole, dit nous, autorité a annoncé que yo pas accueilli réfugiés haïtiens la caillou. Jean-Robert. Plusieurs groupes pression dominicains avec organisation politique manifestés devant Parque Independencia à Santo Domingo samedi 23 mars 2024 contre demande Nations Unies fait autorité dominicaine pour accueillir sur territoire pays à réfugiés haïtiens. La doña Oru a venu aquí de que a pedirnos a nosotros que refugiemos con una ley de refugiados a los 12 millones de haïtiens que se encuentran supuestamente en peligro en Haití. Wilfred Vilaseca, un organisateur manifestation pour éjecter bien loin, demande l'organisation internationale la fait gouvernement dominicain pour l'accueil haïtien et qui a cherché protection. M. Vilaseca a ajouté que l'ONU semble établir histoire en deux pays et que Haïti avec la République dominicaine, c'est deux pays ennemis historiques. Même là, il dit que le peuple dominicain n'a pas gagné avec le peuple haïtien. Selon responsable, la solution Haïti a, c'est en Haïti lié et non pas en République dominicaine. Ni lui-même, ni l'organisation avec le peuple dominicain, eh bien, ils le mettent ensemble pour forcer l'autorité dominicaine ou rejeter la demande de l'organisation internationale à faire. Nous demandons d'ailleurs que le président dominicain a déjà rejeté. Effectivement, ça va bien longtemps. L'Agence des Nations Unies pour réfugiés a demandé aux pays dans la région, y compris la République dominicaine, protection comme réfugié pour tout Haïtien qui a subi menace en bas à main gang armée. En réponse à la demande, l'Agence de l'ONU en fait pays concerné, le président dominicain Luis Abinader fait connaître le pays à continuer de déporter Haïtiens qui vivent dans le pays sans document légal et que l'IPAP autorise la construction de camps réfugiés sous territoire. D'après les chiffres l'ONU publiés, il y a 33 000 personnes qui courent quitter la capitale à Port-au-Prince pour chercher refuge de l'autre côté. Jean-Robert Philippe, VOA Créole, Santo Domingo, République dominicaine. Jean-Robert Philippe, c'était envoyé spécial service créole en République dominicaine. Chicago a mis migrants dehors dans l'État alors que un groupe migrant tout près El Paso a veillé qui le pour traverser Kay Tonton Sam. Détail avec Gentil Augustin Junior. Pendant Chicago a expulsé immigrants la Kaili, un groupe migrant campé bord Rio Grande. Yo espéré joindre une chance pour traverser rivière ça qui tout près Texas, El Paso, États-Unis. Pendant gouvernement état Texas là a prend gros mezi pour arrêter migrants qui entrent illégal dans état là. Nous pas gain de l'eau, nous manger ça moun yo ban nous. Malheureusement, ça c'est situation actuelle là. N'attend pour qui solution nous ka joindre. Freddy
dynamite dans la nuit là très exagéré. Nous a tremblé et puis nous vlopé yon ak lot. Mais nous ici là, sous compte bon Dieu, n'a tant tout bagay réglé. Immigrants qui tap cherché entrer aux États-Unis continuent arriver tout près clôti frontière qui barré ak fil rasoir sur Rio Grande, tout près El Paso, Texas, dimanche 24 mars là. Pendant autorité immigration yo a préparé pour ça qui taka yon vague moun ka privé dans pays ya. Agent frontière fédéral yo fait respecter loi immigration États-Unis sous frontière ya. Loi Texas que yo reconnaître comme SB4 ta criminalisé entrée illégale ou soit réentrer dans yon pays étranger et puis permettre juge état yo bay lod pour immigrant qui viole loi ça quitter États-Unis et comme peine prison jusqu'à 20 l'année pour moun qui refuse conformer yo. Pendant Texas a essayé mettre restriction pour immigrants pas continuer entrer sous territoire, état Chicago expulsé quelques migrants qui étaient déjà installés yo. Ça qui provoque colère nan mitan quelques défenseurs droit moun. When you have folks who can't get work, le ou gen moun ki pa ka joine travail, ki pa ka joine assistance pour louer kay. Sa ou fè lè sa, c'est augmenter problème sans abri que nou wè nan Chicago. Ak moun ki gen gros barrière ak lang lan. Et puis ki pral nan la rio. Mwen kwè que ça c'est mauvaise direction n'a prend. Yon nouveau politique controversée dans ville Chicago té mené nan expulsion immigrant yo ki sorti nan abri yo. Té humilié défenseur ki di politique la pral augmenter sans abri et ki té immigrant yo fè face ak yon avenir incertain. Maria sorti Venezuela, li ak petite fille 8 l'année li té rivé Chicago nan mois décembre, di li obligé kité en 28 avril. Nous pèlè yo fè nous aller parce que tant ou moins gen en pile moun ki gen ti moun piti en pile fami après yo fin aller yo pa gen aucun côté pour yo aller et puis nous pèlè yo fin fè nous aller pour nous vin sans abri abri additionnel yo té établi après décision gouverneur Texas la Greg Abbott té prend pour transporter plusieurs milliers immigrants nan ville tankou Chicago ak New York depuis mois d'août 2022 Chicago té accueilli plus passé 37 000 immigrants gentil Augustin Junior, Washington, pour VOA Creole. Merci gentil, n'a prêté toujours dans même sujet ça moun qui a quitté pays pour venir chercher la vie meilleure ici aux États-Unis notamment gen moun tout qui vini dans programme ça le programme Biden nan, humanitarian parole et gen pile ça dans OCA ici mais gen moun tout qui recevoir yo ou bien organisation glorieuse Nelson depuis New York. En bas leadership Dr. Mona Lisa Ferrari, plusieurs migrants haïtiens qui établissent dans la zone Canassé Brooklyn, gen chance pour bénéficier diverses séances d'orientation sur le nouveau chapitre que y a entamé dans la vie. Chaque semaine, yo réuni dans South Shore High School, côté initialement yo recevoir cours anglais, mais surtout technique à conseil qui capable aider yo dans processus intégration yo. Dr. Mona Lisa Ferrari a expliqué. Et yo gen des ressources qui censé déjà disponible pour eux, mais il n'y a pas suffi, pas toujours suffi. Famille aussi recevoir, pas toujours gagner des opportunités ou bien accès pour t'aider vraiment vraiment façon peut-être que tu as voulu. Ça veut dire qu'il y a besoin des ressources secondaires, il y a besoin des appuis de la part de la communauté, parce que l'on a regardé leur communauté juive, chinoise, italienne, par exemple, lorsque vous venez, vous jouez un semblable dans la communauté par qui aide dans le processus. Ça. Voilà pourquoi. Communauté haïtienne là nous dit tout en a dit l'union fait la force mais faut que nous capable faire par nos actions. En plus partage connaissances et expérience, moun qui fait déplacement chaque semaine, des possibilités pour bénéficier quelques donations. Dans date nous te visiter espace là, participants ont recevoir rad. Ajoutez sous ça, Dr. Ferrari à travers organisation qui relè Fidji, gen chance pour mettre moun si la yo en contact avec de l'autre organisation qui yo même tout a guidé yo. Nadine Rémy, yon éducatrice qui te fait intervention jusqu'ici là, a bay raison qui motive l'aide. L'important pour moun kap vini yo, konnen wout nou te passe et comment nou te fait pour nou te réussir ici. Ce travail Dr. Ferrari a fait, ce travail ça que nous-mêmes là nous te vini dans les années 70-80 que nous pas jeune moun faire avec nous. Et le par exemple ou vini nan pays ou font transition vini nan pays ko pa konnen rien la dan li son li important pou jwenn moun ki montre ki route pou pran
qui comment pour faire, qui ça pour faire, qui ça pour pas faire. Moi même expérience pas différent, nous chacun différente expérience, même toujours prend moi ma pensée immigrant ici, moi toujours montrer en dehors de l'anglais, moi toujours montrer au danger que dans pays. Moi toujours montrer tout et qui gens peut passer pour réussir. Moi toujours montrer tout comment pour qui ça comment pour motiver, comment pour rester fort, comment pour rêver. N'a spécifié rencontre s'il a réalisé 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi soir et au gratis. Glorieuse Nelson pour VOA Creole, Brooklyn. Et puis, nous avons retourné dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Côté gang armé continue à abîmer l'intérêt pendant que projet pour troupes multinationales venues avec Kenya dans tête là toujours dans l'actualité, mais il y a une réaction dépamment sous l'île. Nous allons rejoindre Jude de Ronceret. C'est suite à publication non 9 membres qui pral faire partie de conseil présidentiel transition dans le pays d'Haïti que VOA Creole retrouve le journée jeudi à dans West Palm Beach état Floride pour prendre opinion quelques haïtiens dans communauté a sur question ça. On pose maintenant en niveau en terme d'assimilation comment ou pral assimiler différents équipes ça différents groupes ça et qui pral gè pour objectif l'organisation des élections et tandis que ce sont les mêmes partis politiques qui pral participer dans l'élection et qui pral faire partie du conseil présidentiel. Pour moi, je pense que c'est un mort vivant, mais c'est un vivant mort. C'est pour la première fois que je sens que je suis exilé, je suis allé dans le pays. Et je me toujours dit, puis tout le monde n'a pas de caille ou de pays, à tout le pays ou à espérer un jour de caille. Conseil présidentiel, ça n'a pas de pouvoir. C'est parce que pas de modèle pareil qui fait déjà. Pour moi-même, si international a réellement voulu aider nous bien ou bien imposer un bagaille, il faut imposer la toute force. Faut montrer nous meyo, faut montrer nous force qui pour l'établir, qui pour bay moun sa yo vrai pouvoir qui pour permettre que yo délivrer un bagay pour nation. La nation pas qu'on doit violer ça en quelque soit l'autre. Nous pas qu'à prendre indépendance tout comme premier peuple le noir indépendant pour quitter moun avin dit nous. C'est Jacques, c'est Paul, c'est Pierre pour qui dirige nous. Non, c'est nous pour qui prend propre destinée, nous non, même nous, pour qui dit, mais qui nous voulait. On va pas choisir leader pour nous. Nous, c'est un peuple indépendant. Nous, on choisir leader pas nous. Il faut nous faire très attention pour nous mettre nous en place, pour nous avoir une discipline, pour nous, comme ça nous pourrons le faire cette fois-ci. Nous disons, nous ne pouvons pas blanc venir, nous ne pouvons pas blanc faire ça, nous ne pouvons pas venir dire ça pour nous faire, nous ne pouvons pas dire ce qui est pour nous choisir. Mais qui leur n'a pas prendre mes têtes nous en place pour nous faire le bon choix, pour nous prendre bonne direction. Parce que faire une révolution, ce n'est pas craser, briser. Pour moi-même, je ne suis pas ni Guy Philippe, je ne suis pas ni Jean-Charles. Et moi, pour moi, je suis plus appuyé position Guy Philippe là, ou bien y aller dans la Cour de cassation. Je ne pas côté à passer et à réussir, parce que c'est goumé, nous mettons haïtien goumé plus entre eux-mêmes. C'est ça seulement que je dis. Je continue à prier pour le pays, parce que je connais un jour où bon Dieu a délivré le pays d'Haïti. Non, Pam, c'est Jude Ronceret pour VOA Creole, West Palm Beach, État Floride. Merci, Jude de Ronceret. Donc, tu as été réaction qui t'a fait sous conseil présidentiel de transition qui toujours dans impasse pour qu'on ait une note officielle qui parlait de 9 membres, bien que 9 membres prend la rue déjà. Nous connaissons, nous avons un membre qui a changé, notamment, nous souhaitons que nous prenons ambassadeur Augustin Smith-Augustin dans la place Madame Dominique Dupuis, lui-même qui ra l'école. Donc, nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Gagné ancien président brésilien Bolsonaro, Harry Bolsonaro, qui toujours en grande difficulté, et surtout que il y a pile accusation qui tombait sous dol pour COVID-19, pour l'Assemblée que tu as mélangé dans la question de coup d'État. Donc, nous avons pour nous retourner sous le dossier Jair Bolsonaro. On va aller quelques points qui ont dominé l'actualité avec le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a adopté une résolution pour un cessez-le-feu dans Gaza à 14 voix
pour ayant abstention et abstention c'est les États-Unis ça qui fait que eh ben gon délégation Israël qui était gain pour venir Washington qui renvoyé et puis gain attaque sanglante et mortelle qui fait sous Moscou vendredi qui se passait là dernier chiffre parlé de 37 monde qui t'a perdu la vie et puis gain réaction qui fait après ambassadeur Haïti dans UNESCO Dominique Dupuis dit li pas d'accord avec choix que il fait de li pour l'allant et c'était PA. Donc nous pratiquement arrivé dans fin programme là et merci Joe Gill et Samblue Chang Wang et puis Zamini Fred Kaimit et Gentil Augustin Junior et Jean-Marc Hervé Abela. Moi c'est Jacques Lambelizer et nous dit Jean-Aubert Philippe envoyé spécial nous en République Dominicaine. Bon retour pendant que n'a salué Valérie qui est en vacances. Nous dit déjà bonne fête. Bonsoir.